Bonjour, je suis Caroline May. Je suis ancien professeur, mais actuellement élue vice-présidente en charge du patrimoine et de l'archéologie au sein du département du Lot. Et j'ai l'honneur de participer au jury du concours d'écriture du Salon du Livre de Rocamadour depuis plusieurs années. Et c'est un choix que j'ai fait qui prolonge finalement ma fonction d'enseignante que j'ai abandonnée pour ma fonction d'élue. Pour moi, travailler en mode projet pour un enseignant, c'est tout à fait fédérateur. Au sein d'une classe, proposer un projet tel que le concours d'écriture ne peut être que positif pour les élèves. Il est difficile d'apprendre l'écriture. En tout cas, l'écriture, c'est à la fois la créativité de l'élève et les compétences linguistiques à engager. Donc, susciter et maintenir l'intérêt des élèves pour cet exercice est difficile. Donc, c'est un véritable défi pour l'enseignant. C'est pourquoi le caractère compétitif d'un concours d'écriture peut créer l'engouement, encourager la collaboration entre élèves et savoir que ce sont des professeurs, des personnalités qui vont choisir, qui vont lire leur texte, doit vraiment aider les élèves à se surpasser dans cet exercice. Sur le choix du thème, donc aujourd'hui cette année, le sport s'imposait et vous le verrez, vous allez découvrir que les élèves ont su vraiment s'approprier cette thématique fondamentale et nous sommes heureux de pouvoir dévoiler bientôt le résultat de du jury et de notre choix.